un grand regret que je vous annonce la dernière journée de une semaine, une palette, non, une semaine, deux palettes, avec les palettes Dream d'Anna Savalins et Fame de Colourpop. Donc, on va faire un dernier look avec ces deux palettes-ci. Par rapport au sondage que j'ai lancé hier, vous étiez et vous êtes encore dans la majorité à m'avoir demandé une semaine, une palette avec la Sweet Peach de Too Faced. Si c'est le cas, ça vous intéresse, mettez un thumbs up et dites-moi quelle couleur vous aimeriez voir en premier, admettons. Quelle couleur vous n'arrivez pas à travailler dans votre palette ou vous n'avez pas d'inspiration comme ça. Je vais commencer par ça peut-être, ça serait une bonne idée, non? Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, mettez un thumbs up, cliquez sur la cloche et maintenant je peux commencer. Maintenant que vous avez fini, je commence. J'ai déjà Optimus primé mes yeux, donc je vais vous approcher. Ceci est un petit peu triste que ce soit la dernière. Je vais prendre la couleur Center Stage qui est ici. Et je vais la mettre sur toute ma paupière. J'ai une idée de look que je n'ai jamais fait auparavant. Donc ça se peut que ça fonctionne comme ça, que ça se peut qu'on passe à un plan B. Je viens de voir, enfin j'ai vu tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, que Rihanna, enfin Fenty Beauty, allait sortir une nouvelle palette. Ça s'appelle comment? Moroccan Spice? Quelque chose comme ça. Pour le moment, on a vu que des sneak peeks, pas encore de... Enfin, on a vu la vue d'ensemble, elle ressemble à la Galaxy Palette, mais à l'intérieur, c'est différent. Parce qu'il y a des mattes, cette fois-ci. Qu'est-ce que je voulais dire, donc? Je pourrais en perdre les idées. Et non, c'est ça, on n'a pas vu de swatch de cette palette. Je pense que c'est ça, je voulais dire. Je vais prendre la couleur. Blasi, blasi, blasi. Je vais la mettre sur ma paupière. Normal. Mais cette couleur blasée toute seule est superbe. C'est un joli gris, je trouve. On n'a pas assez de gris. Enfin, j'appellerais ça peut-être un gris souris, peut-être. C'est merveilleux comme couleur. Est-ce que la Fame palette est quelque chose qui vous tente éventuellement? Genre, s'il n'y avait pas de frais de douane, parce que je sais que c'est toujours une grosse issue, un gros problème, une grosse condition à commander les produits Colourpop. Ne vous en faites pas, au Canada c'est la même. Hein. Nous avons aussi des fois des frais de douane. C'est un petit peu au petit bonheur la chance quand on n'en a pas. Je dirais que mes 8 dernières commandes, j'ai pas eu de frais de douane. Je touche du bois quelque part. Ah. Ça c'est fait. Et je vais estomper avec un gros pinceau. Ok, alors partie nouvelle de cette vidéo, de ce tutoriel, c'est de faire un eyeliner en negative space, c'est-à-dire prendre un eyeliner de... prendre un concealer et faire un eyeliner avec, comme ça, ça fait comme si que il y avait une barre où il n'y avait pas de fond, de fard à paupières, j'arrive pas à parler. On va essayer ça. J'ai lavé mes pinceaux eyeliner avec lesquels j'ai eu des problèmes au début de la semaine. Et je vais essayer aussi en même temps de voir si ça a replacé un petit peu le pinceau. J'ai pas grand espoir. Donc le but étant... Oh, mon pinceau, c'est une catastrophe. Je pense que c'est le pinceau déchet. Je vais essayer avec le essence qui n'avait pas fonctionné aussi. Pour voir si je peux lui donner une seconde chance. C'est très très dur. Ces deux pinceaux, définitivement, vont s'en aller. Et je vais chercher... J'en ai un autre ici, mais il a l'air épais. J'en ai un fin, mais il est grand. On va essayer le fin et grand. C'est déjà beaucoup mieux. Bah tiens, tant que j'y suis, j'aimerais bien savoir quels sont vos pinceaux eyeliner préférés. Je vais faire prendre un petit peu la couleur blasée avec le même pinceau et je vais retracer par-dessus.
pour affiner mon trait d'eyeliner. Juste avec le même pinceau, et je trouve que ça va vachement bien en fait. Je vais prendre un tout petit pinceau, comment ça s'appelle, pointer liner brush, et je vais prendre la couleur Center Stage et je vais fixer en fait mon concealer. Ça serait quand même très plate que ça bouge une fois qu'on est fini. C'est un eyeliner pailleté noir que je vais tailler. Je vais essayer de ne pas le faire mourir comme mon crayon d'hier. La déceptionnance. Et je vais appliquer ça dans le coin. Bah, ici. Je vais l'estomper avec une pencil brush. Un crayon, pinceau, stylo, je sais plus. En fait, le truc, c'est que je voulais mettre un violet. Je vais mettre Piece of Me en bas. Mais pas jusqu'au bout, parce qu'au bout, je vais remettre la couleur blasée, en fait. Avec une toute petite blending brush de Make Up Geek qui s'appelle Define Crease Brush. Je reprends la couleur blasée. Et je rejoins ici. En faisant bien attention de ne pas rentrer dans mon eyeliner que j'ai travaillé pendant aujourd'hui. Ensuite, je prends notre blending brush. Celle-ci de Sigma, que je n'aime pas du tout. Et je vais prendre la couleur Stardom. Je ne vous ai pas montré les couleurs encore. Celle-ci, c'est la couleur Piece of Me. Piece of Stardom. Et je vais mettre ça dans mon... comme transition. Je sais, je transige à la fin aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit qu'une autre couleur ne ferait pas de mal. Ayou, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Tu regardais Pologne, Colombie. T'as aimé? T'es triste pour la Pologne? Bah oui, c'est triste, hein. C'est la surprise de la fin, une semaine, une palette. Enfin, on a ta présence. Yeah, you. Ouais. Allez. Qu'est-ce que c'est que cette patte? Est-ce que tu veux faire la magie du montage avec moi? À la une, à la deux, à la trois. Magie du montage. Miaou. Donc, je vais faire mon os du sourcil avec ceci. Et étant donné qu'on n'a pas de couleur un peu illuminante, je vais en prendre une. Et je vais prendre la couleur... À chaque fois, je remarque que je regarde ma couleur ici, donc vous ne voyez rien. Je vais faire comme ça. Je vais prendre la couleur de Most, qui est celle-ci. Et je vais la mettre dans mon nez et sourcil et dans mon coin interne de l'œil. D'accord, je voulais essayer un nouveau truc avec mes bronzers crème. J'avais envie de mélanger deux crèmes, dont un qui est pas mal highlighty. Ça s'appelle Avalon de... je sais pas pourquoi j'oublie, Colourpop. Peut-être parce qu'ils ont rien sorti d'intéressant depuis genre deux semaines, à part leur fond de teint, mais bon. Et l'autre, ça va être le ELF... Bronze Peach Duo. Donc c'est deux crèmes et j'ai envie de mélanger les deux. Oh, j'ai un nouveau produit de Marc Jacobs à essayer à la fin. By the way, j'ai jamais essayé, j'ai attendu. Hein. J'ai un autre produit crème pour les joues. Est-ce que c'est bien estompé? J'ai un peu de texture ici. C'est le manque d'eau. Si vous ne saviez pas, c'est ce que ça me fait. Donc c'est un produit de Becca qui s'appelle le crème teintante pour la plage. En gros, ça s'appelle Beach Tint et c'est la couleur Raspberry. Je vais mettre ça sur le dos de ma main. Je me rappelle que ça sentait super bon cette affaire.
Je vais prendre une stippling brush. Alors, elle est grande. Je vais essayer de... Étant donné que c'est un tint, c'est pas super, super pigmenté. Une chance. Oh, ça sent tellement bon. Je regarde mon dessous d'œil. J'ai envie d'estomper un petit peu avec rien sur le pinceau ici. Ensuite, je vais prendre une fan brush et le highlighter. Qui va être... On va faire un mélange, étant donné qu'on a tous... on les a tous essayés, on va en mélanger deux. Je serai pour mélanger Unicorn était mon préféré. Peut-être Unicorn et Sunshine, lui et lui. Regardez, j'ai de la texture. Je suis en train de mettre de l'emphase dessus. C'est temporaire. Bon, ok, je change d'avis sur l'odeur de ce Beach Tint. Ça sent un petit peu trop finalement. Ça sent la framboise. Ouh. Je vais essayer ce... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de nom. Marc Jacobs. C'est tout. Je mettrai les informations dans la barre d'infos si ça vous tente. Il y a quelque chose écrit ou pas? Ah, attends, peut-être. Night Moves. Crayon à lèvres liquide. Mais c'est pas liquide, ça. C'est beau. On dirait une espèce de reflet un peu métallique. C'est superbe, ça. Est-ce que c'est moi qui hallucine? C'est pas la professionnalité, ici. Non. Clic. Si ce look vous a plu, mettez un thumbs up. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM, une photo, taguez-moi sur vos réseaux Instagram ou Instagram. Je vous laisse la playlist de cette semaine et toutes les autres semaines, j'ai sur une semaine palette juste ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous donne l'occasion de le faire en cliquant ici sur mon visage, il n'est pas trop tard. Et appuyez sur le petit carré si vous voulez. Ma caméra m'a coupé, donc je vous dis, je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé. Bye.